Alors, je suis féministe, dit-il, mais mon féminisme est un humanisme. Et par conséquent, je suis contre tout ce qui renvoie, là, ça recommence, à une identité. Le gars, il a rien compris. Mais rien. Il est très mal éduqué. Je ne dis pas que tout le monde nécessairement doit avoir tout bien étudié, tout bien compris, parce que ce n'est pas vrai. Mais que celui qui sait, il explique à ceux qui ne savent pas. Moi, j'étais un jeune homme très comme ça. Hein ? Alors, un homme, une femme, tout ça, c'est du pareil au même, c'est tout des citoyens. Voilà, bon, pas d'histoire. Et alors, je répétais ça partout où je passais. Les mêmes droits, c'était pour dire les mêmes droits. Donc, la conclusion était bonne, hein. Et la chance de ma vie, c'est que j'ai croisé une femme qui s'appelait Colette Audry, et qui est la seule femme qui est citée dans le bouquin de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Et je ne savais pas, vous savez, c'est un peu bête dans la vie, des fois nous arrivent des trucs incroyables. On avait une réunion de courant socialiste, et il y avait cette drôle de dame avec une grosse lavalière qui représentait je ne sais plus quel groupe, et blablabla, on parlait et tout ça, puis je me suis dit, quand même curieux, celle-là, qui c'est ? Et au bout d'un certain temps, on me dit, c'est Colette Audry. Évidemment, je fonds parce que je savais qui était Colette Audry. Mais je ne savais pas que c'était cette Colette Audry-là. Et elle était merveilleuse. À l'époque, elle avait plus de 70 ans. C'était un phénomène de la nature. Quand elle ouvrait la bouche, qu'elle parlait, elle avait 20 ans. Elle était d'une beauté absolue. Le timbre de sa voix, elle fumait comme un bombardier. Et elle avait une pensée d'une clarté absolue, quel que soit le sujet. Elle était prof de philo. C'était un personnage inouï. Alors elle me prend à part, elle me dit, écoute, t'es un garçon intelligent, je crois. C'est bien tout ce que tu fais, mais je veux dire, faut que t'arrêtes de dire des bêtises. Tu comprends rien à la question du féminisme, ça me fait de la peine de t'entendre parler comme ça. Bon, qu'est-ce que je vais pas lui dire, ça va toi? Non, bon, explique-moi ça. Et après je me suis mis à lire aussi Elisabeth Badinter, tout ça, pour bien comprendre. Honnêtement, c'était pas dans ma culture, faites pas les malins les mecs là, parce qu'il y en a plein qui sont dans une situation pire que moi. Encore maintenant. D'accord ? Donc j'essaye de comprendre. Et je comprends que le féminisme est une lutte qui contient un principe initial d'égalité absolue entre hommes et femmes qui ne sont séparés que du fait de leur éducation respective qui prive les unes de ce qui a été donné aux autres, qui attribue des droits aux uns qui sont refusés aux autres. Par conséquent, le féminisme est composé de deux composantes. La première, qui est un égalitarisme fondamental, on ferait mieux de dire, on va dire égalitarisme fondamental, d'un côté, et d'autre part, une protestation contre un système de domination. Il y a deux composantes. Vous ne pouvez pas les mettre dans le même paquet en disant, on verra après la révolution socialiste, après le matin du grand soir, on verra comme ce sera. Non, c'est en même temps qu'il y a les deux luttes. Si bien que, oui, le féminisme a à voir avec l'humanisme. L'honnêteté intellectuelle obligerait de dire que les premiers textes féministes en France, c'est Christine de Pizan, 1400, disons, allez, 20-30, je ne me rappelle plus. Et le premier texte de l'humanisme, considéré comme son manifeste, c'est 1487, de la dignité de l'homme, de l'être humain. On dit de l'homme déjà, bon. Mais le texte de Christine de Pizan, qui milite pour l'égalité entre hommes et femmes, il est antérieur. Et donc, on comprend assez facilement qu'il y avait déjà une mouvance qui était là, diverse, et qui a permis à un moment donné de conclure les thèses principales qui constituent l'humanisme, à savoir les êtres humains sont les auteurs, et eux seuls, de leur histoire. Et c'est des courants qui viennent de tous les côtés. De tous les côtés, y compris qui sont en partie contenus dans les religions. Et aussi d'ailleurs dans l'islam. Puisque souvent on en parle pour en dire du mal. Alors, oui, c'est vrai, le féminisme a à voir avec l'humanisme, mais il est antérieur. Et deuxièmement, le féminisme est une critique radicale du patriarcat. Le patriarcat, c'est une forme d'organisation de la société qui est antérieure aux autres formes politiques. C'est-à-dire que vous avez du patriarcat dans les sociétés initiales, vous avez du patriarcat, et puis pas le plus doux, hein, soit dit par parenthèse, pour ceux qui ont le culte de l'admiration des tribus et du reste, il ferait bien de regarder de près. Et puis vous avez du patriarcat dans la société féodale, vous avez du patriarcat ô combien, bien sûr, dans la société esclavagiste, la société féodale, dans la société bourgeoise, et dans les sociétés qui disaient être socialistes, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais le patriarcat y était, à travers les mœurs, les habitudes, la reproduction des dominations de genre.
Autrement dit, le féminisme est toujours un humanisme, puisqu'il postule que l'être humain est créateur de son histoire, et que les femmes ne sont considérées d'une manière genrée que du fait de l'histoire, de leur manière avec laquelle elles ont été élevées, de la manière avec laquelle on leur a inculqué des valeurs. Donc quand le féminisme dit « nous sommes semblables et donc nous avons les mêmes droits et donc nous sommes égaux en dignité », oui, le féminisme est toujours un humanisme. Mais les humanistes ne sont pas tous des féministes, parce qu'ils ne mettent pas tous en cause le patriarcat. Et souvent, ils considèrent qu'il y a l'ordre des choses. Non, l'humanisme radical auquel nous nous rattachons, nous, parce que nous sommes tous féministes, c'est un humanisme qui dit qu'il n'y a pas d'ordre des choses. Il n'y a que l'ordre que les êtres humains créent avec leurs habitudes, avec leurs traditions, avec leur histoire. Voilà pourquoi j'ai expliqué ça l'autre jour et on m'a dit « Écoute, tu veux faire une campagne électorale utile, il faut que tu ailles raconter ça plusieurs fois, parce que comme ça, ben, ça rentre. » Il y a des plus jeunes hein, dans la salle, au passage. J'aimerais bien pas être obligé de les prendre par la main pour leur dire « Écoute, arrête de dire des bêtises. » Je clôt là-dessus, sur tout ce chapitre, avant de vous parler d'eau. L'universalisme auquel nous aspirons tous, c'est le but du chemin. Ce n'est pas la condition d'entrée. Autrement dit, nous arriverons à une société humaine universelle, avec des principes universels d'organisation, avec des droits égaux, parce que nous aurons, une à une, détruit toutes les barrières qui nous distinguent, qui nous opposent, qui nous mettent en antagonisme. C'est tout le sens du chemin.